Bonjour à tous, donc toujours au Speedfest, donc ce coup-ci avec Guillaume, donc de la team Uplift. C'est ça, bonjour. Donc Guillaume, Speedsofter du coup. C'est ça. Tu peux nous parler un peu de la team? Oui, bien sûr. La Uplift est une team qui a démarré dans le speed il y a à peu près 3 ans maintenant. On a commencé par se rencontrer en fait sur un terrain qui fait vraiment de l'airsoft loisir au départ. Avec la volonté d'aller plus vers du compétitif. Et c'est vrai que de ce principe-là, en fait, on s'est plutôt destiné vers un airsoft donc rapide. Et avec. On a un peu vu l'explosion du speed arriver. Donc on s'est dit, voilà, étant donné qu'on est une équipe en tout cas qui se veut compétitrice, composée de compétiteurs, il y a des liens qui sont tissés déjà sur le terrain, dans un premier temps, sur l'état d'esprit, sur pas mal de choses. Et de fil en aiguille, on a recruté des joueurs, parce qu'on a commencé à 3 au départ. Et pour une équipe de 5, il en manquait voilà, quelques-uns. Voilà, c'est ça. Donc on a commencé à jouer ensemble à 3 au départ. Donc moi, Maxence et Sydney. On a été assez rapidement rejoints par Renzo, qui n'est pas là aujourd'hui, Double Tape. Puis ensuite, on a étendu l'équipe au fur et à mesure du temps. D'abord, on était situé sur Nantes uniquement. D'accord. Puis on est allé chercher des joueurs sur Rennes. Ah oui, vous recrutez un peu partout. Ben, alors on a quand même une volonté de garder des personnes à proximité, puisque pour nous la cohésion est quelque chose d'hyper important. Ah oui, parce que du coup pour les entraînements, pour, c'est ça. Pour ouais. La compétition, il faut avoir l'habitude de jouer ensemble. C'est ça, donc voilà, de fil en aiguille, 3 ans plus tard, on a intégré assez rapidement donc, le circuit SpeedQB France qui existait déjà. Qui était géré par JP, je crois que vous avez déjà intégré, et par Patrick aussi que vous avez déjà vu. Et voilà, donc 3 ans plus tard, nous voilà ici à la fabrique. On a pu parler un petit peu tout à l'heure avec JP, du coup de l'Uplift. Ouais. Je peux comprendre, deuxième équipe, c'est ça pour le moment de France. Alors en 2019, puisqu'en 2020, oui. Automatiquement la compétition a pas pu se. En tout cas, la compétition au niveau française a pas pu avoir lieu. Donc oui, deuxième en tout cas en 2019, dernière fois qu'on a pu établir une véritable compétition digne de ça. Ok, bon de toute façon, je pense que pour... Enfin, JP nous disait que pour la saison prochaine, ça serait possible, sauf Covid, bien évidemment. Mais on l'espère tous. Normalement, ça devrait être possible. Ok. Donc aujourd'hui, présent sur ce week-end Airsoft en folie, je suppose que vous êtes engagé dans le tournoi de demain. C'est ça. Donc tournoi de demain où vous partez avec un... Je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas... une exclusivité de votre partenaire. Ouais, tout à fait. Qui est le Atome, surprise. 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 Ouais. Que tu du coup tu oui, en oui, j'ai là, a... j'ai là que j'ai failli faire tomber, mais oui, qui est là. Hop. Voilà. Donc ouais, qui est le fruit de un an et demi maintenant de discussions, de conseils aussi, parce qu'au départ, nous on était donc en partenariat avec Softtech. Oui. Oui. Du voilà. Coup, uniquement sur la partie impression 3D, etc. Parce qu'à l'époque, on ne jouait pas encore en speed avec des grid modes, qui est ce système-là avec la bouteille intégrée. Et on jouait énormément avec des drop stocks qui permettaient en fait de décaler crosse, le tube de cross afin de pouvoir épauler plus facilement avec un masque. Et donc avec l'arrivée des grip modes, on a rapidement... on était déjà en contact donc avec Alex, qui a eu la volonté de développer un produit déjà qui sortirait de l'ordinaire et puis surtout destiné à une pratique pro. Parce qu'aujourd'hui, alors il y a d'autres personnes, d'autres boîtes aujourd'hui qui produisent du coup du matériel destiné au speed, mais en utilisant du matériel assez conventionnel. Oui, en règle générale, de toute façon, les fournisseurs aujourd'hui, comme en mécanique, comme par exemple Michelin avec les différentes pneus qu'ils développent pour la course, c'est de la recherche et du développement. Exactement. Ils essaient de réapproprier au maximum pour des voitures touristes, mais du coup, il en est de même pour les fabricants d'airsoft. Ouais, c'est ça. On va pas se refaire en interne pour une nouvelle réplique. Donc là, gros avantage de la société ProTech. Ouais, tout à fait. Qui avait pris contact avec nous. Il avait déjà un cahier des charges qui était à peu près dicté. Nous, on a pu lui apporter, alors, entre guillemets, notre expertise, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend, nous, d'une réplique. Quelle performance on attend. Éventuellement, un design aussi. Parce que l'air de rien aujourd'hui, le design en airsoft, si ça plaît pas, on n'achète pas. C'est ça. Donc voilà, c'était l'intérêt, c'est vraiment sortir un truc qui casse les codes un petit peu.
comme aujourd'hui Speedsoft en bah, général. De toute façon, bah, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, une différenciation. La dernière fois, donc Alexandre nous expliquait bien que pour lui, c'était pas une réplique, c'était bien un lanceur. Un marqueur, ouais, comme il l'appelle. Il souhaite vraiment différencier. Et en soi, nous, au départ, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'étais pas tout à fait d'accord. Parce que moi, j'aime bien me revendiquer personnellement de l'airsoft. Enfin, moi, ça fait 13 ans que j'en fais. Et du coup, enfin, je suis assez attaché à ça et à me différencier justement du paintball, même si on utilise aujourd'hui beaucoup de codes. Bah, on le voit, hein, on le voit bah, dans les tenues, on le voit bah, maintenant dans les bouteilles directement intégrées donc aux répliques. On prend ce qui se fait, ce qui s'adapte le mieux à la pratique en fait, hein, finalement. Finalement, on reste sur une pratique compétitive qui est relativement similaire. Au niveau bah, du coup, ton premier senti là, fin, sur le terrain aujourd'hui à jouer toute la journée avec la Tom. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ben nous aujourd'hui, il est clair qu'on n'a jamais eu une réplique aussi légère entre les mains. Et c'est ça aujourd'hui, enfin. Et encore, on n'est pas sur la version carbone. Non, c'est ça. En fait, le modèle carbone, c'est quelque chose qui a été annoncé par Protec assez récemment. Donc nous, on n'avait pas encore eu l'occasion de l'utiliser avant. Moi, j'ai pu l'utiliser rapidement tout à l'heure. Pour l'instant, on a seulement deux canons là à disposition aujourd'hui, donc c'est vrai que j'ai pas pu l'utiliser. Mais c'est sûr qu'un grain de 100 grammes. Bon, ça paraît pas beaucoup hein, comme ça, mais 100 grammes, l'air de rien, c'est ce qu'on peut gagner sur une bouteille aussi. Donc 100 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes, à la fin on a un jouet quoi. Ah donc, oui, bah moi j'ai pu essayer, on est quand même pas loin du poids, enfin d'un PA conventionnel, un peu lourd. Ouais, c'est clair. Parce avec une bonne maniabilité en tout cas de la réplique. Hein. C'est justement ça le truc, c'est que déjà, nous quand on en a discuté justement avec, avec Alex. On voulait quelque chose bah, déjà qui correspond à notre pratique, c'est certain. Pourquoi pas qu'elle ait un peu piqué les codes du paintball, encore une fois. On va pas se mentir, on voit la gueule qu'il a. De toute façon, voilà. Mais bah, Alex... le choix du nom marqueur et pas non plus un oui, bah, Alexandre nous l'a dit la dernière fois, de toute façon, qu'il était réellement inspiré du paintball. Ça rejoint la pratique de RQB qui n'est plus ni moins que l'adaptation du paintball de en Rodolphe, airsoft. Tout à fait, ouais. Sur du speed soft. Donc, Et voilà, donc c'est vrai que bah, l'intérêt c'est quand même d'avoir donc, quelque chose de léger, automatiquement. De robuste aussi, ça c'est hyper important parce qu'en fait aujourd'hui de par les déplacements qu'on fait on va slider, on va faire du Superman, on doit avoir un truc qui va pas péter au premier saut, ouais c'est ça. Donc on a un peu pu tester la résistance des fois un peu malgré nous, mais on a eu quelques notamment une déconvenue une déconvenue qu'on n'a pas vraiment été une, on en a eu un peu peur, mais ouais sur un terrain de paintball on a un joint de preset d'une bouteille qui a sauté. Et en fait, le marqueur, il a volé hein, sur 3-4 mètres avant de se bouffer un mur. Là, on s'est dit, est-ce qu'il va encore marcher? Donc oui, il fonctionnait toujours. Donc, pari réussi. C'est ça, donc au départ, on s'est un peu dit. Même nous, au départ, c'est vrai qu'on parle d'impression 3D. Enfin, c'est pas le truc le plus résistant de la Terre, on le sait quoi. Surtout que nous, c'est un alliage, c'est pas ça, mais un matériau qui est déjà utilisé dans le milieu. Beaucoup de drop stock en 3D. Qui pète là en tout cas c'est différent, ça a pas pété, pas cassé, donc c'est plutôt pas mal. Oui, et puis j'ai cru comprendre aujourd'hui que tu étais un petit peu le brise-fer de l'équipe, donc ouais, moi c'est un peu ma spécialité, ouais, ouais c'est ça. Donc, on va dire que s'il arrive à passer entre tes mains, normalement toute personne devrait pouvoir, c'est ça, exactement. Après, j'ai pas encore sauté dessus ni rien, donc on verra, mais ça c'est on va voir avec Alexandre, on va lui en parler après. On va lui en parler, je pense qu'il sera d'accord. Oui, voilà, il doit pas être bien loin, au pire saute dessus et ça fait pchit, on dirait, oups. Petite anecdote pour le coup, Alex l'a fait. Ah, il a sauté dessus. En fait, ouais, on a. Alors, peut-être qu'il vous ressortira la vidéo, mais sur le prototype, qui était encore un prototype blanc, le premier qu'on avait reçu, pour le fun, au moment justement où donc, il a arrêté, enfin, le prototype, il en avait plus besoin, il s'est dit, c'est le moment de tester. Et lui, qui pèse quand même un peu plus lourd que moi, en effet, a fait une vidéo en privé. On notera que tu as dit à Alex, que tu venais de dire d'Alex qu'il était gros. Non, j'ai dit qu'il était plus que moi, c'est différent. Nuance. Bah, non, mais t'as dit qu'il était gros, non, mais on a compris. Et non, pour le coup, il a sauté dessus et rien. Donc, encore une fois, preuve de la résistance du truc et pour faire taire un peu justement des éventuels détracteurs qui pourraient dire. Ce sera du pistolet Karcher. Hein. Ouais, mais ça après, voilà, c'est normal. Là, le pistolet Karcher, on l'a tous vu, les mêmes qui sont sortis là-dessus. Pas grave, on est bons clients. Faut avoir un peu de toute façon, en même temps, c'est ce qui fait vendre. Je veux dire, aujourd'hui, ça a mis une notoriété sur le lanceur qui est quand même. Bad Buzz, Steel Buzz, c'est ça? C'est ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Et du coup, en tout cas, bon courage pour demain. Enfin, merci. Pas bon courage, on dit plutôt merde, parce qu'il paraît que ouais, ça ne porte pas forcément la bonne chance. On va donner le meilleur de nous-mêmes, et puis voilà. Ça va bien se passer. Bah écoute, on verra vos performances, on en suivra demain avec JP du coup qui va vous commenter en direct.
la pression. Donc si tu sautes et que tu... et que je le pète, je vais vous voir après. Je vais voir après pour faire une seconde interview où je reverrai complètement mon discours. C'est vous ça. Couperez et puis on fera une transition. Nickel, on s'arrange. Bon bah écoute, bah merci à toi. Merci à toi. Et puis voilà, bah, merde pour demain. On peut dire ça, non? Ouais, ouais, pour le moment sur le terrain, j'y vais pas trop. Oui, bon, là, bientôt tout ton de stand. Je tiens le stand, je ne peux pas aller sur le terrain. Je peux pas être partout. C'est ça. Merci en tout cas. Bah merci à toi et puis voilà, et puis merde pour demain. Merci, salut. Le gros Sylvain. Ok. Et l'autre à côté. Le caméraman. Le chou, c'est le président. C'est le président. Ah ouais, bon, on a tous des défauts, hein, t'inquiète. Hein. Ah merde. Tu vas passer dans le bêtisier. Ah merde, putain, si on m'avait dit. Je pète les répliques et en plus je pète les micros, hein, c'est... Retenez-le bien. Tu en retiendras qu'il a mal vendu, tu le diras à Alexandre. Il a vendu Protec en cassant le micro. Ouais, voilà. Vous enverrez la facture à Protec, hein, à du Protec. Coup. Ah, salut.